Je ne vais pas encore parler de ce sujet sur une suborne. La dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Un truc hors du commun. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyon Suborne. Ce que nous allons découvrir ici, même entendre, ça prouve que le Saint-Esprit est encore parmi nous. L'Esprit de Dieu est toujours avec nous parce que ici, le peuple gabonais va réagir face à cette histoire de l'acceptation des pratiques X contre nature. Oui, tout sont des pratiques X où les relations, les unions contre nature, par exemple des unions entre les femmes et femmes, comme vous voyez à l'écran, ou bien des unions entre des hommes et d'autres hommes. Mes frères, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Et la question c'est, mais où va le monde? Mais où va le monde? Aïe, aïe, aïe. Vous cherchez à attirer la bénédiction de Dieu vers vous, bien, c'est la malédiction que vous cherchez. Nous savons que comme nous sommes vivants, Dieu lui-même, il est vivant. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire et il comprend. Il sait exactement même ce qui se trouve dans nos cœurs avant même qu'on ouvre la bouche. Et oui. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Nous devons changer un peu. Changeons un peu. Comment des gens très intelligents peuvent s'asseoir pour réfléchir et décider qu'on fasse des choses qui ne plaisent pas à Dieu ou des choses qui sont contre nature? Même si tu ne crois pas en Dieu, ah, toi-même, il faut réfléchir. Toi-même, il faut réfléchir. Ton père et ta mère sont mis ensemble pour que toi, tu viennes au monde. Maintenant, toi, tu veux que d'autres personnes se mettent en. Deux personnes du même sexe se mettent ensemble pour faire quoi? C'est pour jouer à quel jeu? J'aime tout le monde. Qui que vous soyez, je vous aime. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Oh, il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Ce que vous êtes en train de faire et que les gens vous encouragent dedans, là, aïe, 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 c'est très mauvais. Oh, c'est même très mauvais. En principe, je n'ai même pas besoin de vous dire que c'est mauvais. Vous êtes censé être au courant de ça déjà. Mais comme il y a certaines personnes qui sont têtues et qui aimeraient qu'on les répète, on les répète, on les parle, nous ici sur ce bon, nous allons faire notre travail et vous dire ce qui est la vérité de chez vérité de chez vérité. Et je pense que si vous êtes abonné jusqu'à ce qu'on atteigne les 47 000 abonnés ici, c'est parce que vous cherchez la vérité. Moi, ne comptez pas sur moi pour vous mentir. Je ne vais pas voir un vêtement qui est blanc et puis je vais dire c'est orange. Ne comptez pas sur moi pour faire ces choses. Que Dieu m'en garde, que Dieu m'en préserve. Comme lui n'est pas fait, c'est pourquoi il dit Seigneur, s'il te plaît, faut me garder. Éloigne-moi de ces genres de choses. Permets qu'il soit juste dans ma vie. Comme je veux être juste, vous soyez des vrais gars, soyez des vrais gosses, soyez des vraies personnes. Dieu vous aime, Dieu nous aime, mes frères. Dieu nous aime, mes soeurs. Nous devons rentrer en règle et nous mettre en corrélation avec tout ce que Dieu a ordonné. Ne suivons pas les gens. Écoutons ce que Dieu nous dit. Écoutons ce que Dieu nous dit et faisons ce qui est juste. Quand j'ai entendu les réactions du peuple gabonais face à cette affaire de dépénalisation de l'homosexualité chez eux, moi, j'ai vraiment été surpris par le fait que beaucoup de réactions ont été positives. En tout cas, ça m'a surpris. Je ne savais pas que les gens là-bas avaient quand même la crainte de Dieu comme ça. Ça m'a vraiment fait beaucoup de plaisir et donné même plus de force pour pouvoir faire d'autres vidéos qui vont venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et vraiment restez connectés. J'applaudis même pour toutes les personnes qui ont réagi de la sorte et toutes les personnes qui ne peuvent pas accepter le péché dans le pays. C'est ce qu'on appelle les abominations. Oh, ces abominations! Ça, ce sont des abominations. Et ça tire la colère de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, il parle au travers de sa parole. Tout est écrit dans la Bible. Tu dois lire et écouter Dieu te parler. Il va plus descendre pour venir te parler. Sinon, il va te parler en esprit et rapidement, boum! Et lui, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il agit. Il vous regarde faire vos trucs, vos bêtises. Mais un bon matin, là, boum! Inondation ici. Boum! Tremblement là-bas.
Boum! Quelque chose s'est passé ici. Boum! Les gens sont morts par là. Et dans tout ça, là, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas la question sur qu'est-ce que vous avez fait. Vous ne vous posez pas la question. Hein? Vous ne vous posez pas la question. Hein? Que Dieu nous pardonne, frère. Que Dieu donne la force à toutes les personnes qui sont dans de telles relations de pouvoir en sortir et de regagner la vie normale. Souvent, ce sont les démons qui font ça, qui troublent l'esprit des gens, qui troublent tout dans leur tête et qu'il faut penser à ces gens-là que s'ils sont des garçons, ils sont des femmes. S'ils sont des femmes, ils sont des garçons. J'ai une femme qui est née, une fille qui est née, elle a grandi. Elle veut jouer le rôle d'un homme dans la vie d'une autre femme. Où est-ce qu'on se trouve? Le monde fait peur. Quand le mal est appelé bien, qu'est-ce que ça donne? C'est même ce qui a déjà commencé. Et le Seigneur Jésus nous a tous dit que quand nous allons voir ça, ha, il faudrait qu'on soit prêt. Parce que ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Maintenant, nous allons écouter nos jeunes frères et sœurs au Gabon. Voici leurs réactions. Et nous essaierons d'intervenir. Soyez prêts. Si vous êtes chaud, on compte jusqu'à 3, on dénonce cette affaire. Alors, c'est parti. 1. 2. Et 3. Let's go. Écoutons ensemble. Première réaction. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la dépénalisation de l'homosexualité, mais vous aussi. Moi, je ne sais pas si le Gabon est un pays chrétien ou un pays diabolique. Wow. Parce que nous savons que la loi vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi la loi. Mais nous devons suivre les principes de Dieu si nous voulons rester dans le cadre de la loi de Dieu. Maintenant, si on veut tailler la loi à notre mesure, selon nos désirs, alors là, on sort du cadre de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a dit respecter les autorités. Mais de quelle autorité il s'agit-il? Hein? Moi, je crois que tout ce qui arrive ou tout ce qu'on est en train de faire, je crois que nous allons reprendre ce que lui-même, le président Bongo, notre premier, deuxième président après Léumba, il a dit, avant de partir, il nous a dit, nous avons fait du Gabon ce qui n'a pas été demandé. Et je crois que c'est ce que nous continuons. Au lieu de suivre les conseils d'un sage comme lui, qui a voulu que ce qui devrait suivre devrait changer, mais on est en train d'aller toujours dans le sens qui n'arrange pas la population ou le pays. Ça, c'était la première réaction. Là, cette personne dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ceux que nous avons choisis pour les mettre à la tête de notre pays, ce sont ces gens-là même que le diable possède pour voter des mauvaises choses, pour détruire notre nation. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu ça? Passons maintenant à la deuxième réaction. Écoutons. Pas un débat au Gabon. Je suis à 10 km de la ville de Libreville, j'habite Bidzango. Il n'y a pas le courant, je ne suis pas informé. Donc ici, il faut mettre cette loi en vigueur. Moi, je ne suis au courant de rien. Ça ne m'intéresse pas. Elle dit qu'elle-même, déjà chez elle, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, dans quel coup, vous venez lui parler de cette affaire de pénalisation de je ne sais même pas quoi? Les vrais problèmes sont là. Parce que les vrais problèmes sont déjà là. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Les enfants sont assis à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de nos intellectuels? Et qu'est-ce qu'on fait de nos intellectuels? C'est-à-dire que vous qui pensez à faire des trucs pareils, à voter des telles lois, qu'est-ce que vous faites pour régler les vrais problèmes? Le vrai problème est là. Hein? Mais tout ce qui vous intéresse, c'est détruire l'humanité en votant des mauvaises lois, en encourageant des gens dans leurs péchés. Le ministère de l'Éducation nationale ne communique pas sur la reprise des cours, que ce soit sur le plan supérieur ou au niveau du primaire, collège et lycée. On ne parle pas de ça. Mais aujourd'hui, on passe à l'Assemblée nationale pour venir nous mettre le sujet de la dépénalisation de l'homosexualité. Je condamne ça. Ça, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Et voici une soeur chrétienne qui va, elle aussi, vraiment donner une réaction hors du commun. Écoutons-la.
vraiment ce que je dis de cette loi déjà. Vraiment, le débat n'a même pas lieu d'être actuellement au Gabon. On a beaucoup de problèmes au Gabon qu'on doit traiter. Il y a des grèves par-ci, par-là dans les administrations. On a un deuxième problème qui est le fléau du coronavirus et l'économie qui en baisse. Moi, ce que moi je veux dire à nos autorités, n'attirez pas la colère de Dieu dans notre pays. Moi, ce que je veux dire aux autorités, c'est n'attirez pas la colère de Dieu dans notre pays. Parce que la colère de Dieu, ce n'est pas bon. La colère de Dieu, ce n'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-vous même encore. Le fléau du coronavirus et l'économie qui en baisse. Moi, ce que moi je veux dire à nos autorités, n'attirez pas la colère de Dieu dans notre pays. Vous êtes conscient que l'homosexualité n'a pas lieu d'être au Gabon. Mais la sexualité, c'est d'abord une affaire d'hommes et femmes. Maintenant, s'il y a autre chose, si c'est la dépravation, comme je l'ai entendu, dans nos mœurs, ça n'existe pas. Ça, ce sont les animaux. Waouh, ça, c'est encore une autre réaction. Et cet homme dit que même si vous ne croyez pas en Dieu, aïe, 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 souvenez-vous au moins de ce qui s'est passé dans le passé. Même dans nos mœurs, ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez réagir comme des animaux? Mais moi, quand je regarde ça, je me dis, mais je ne dis qu'à ce niveau. Même les animaux sont mieux, hein, parce que les animaux ne savent pas comment il faut se coucher avec un autre animal de même sexe. C'est pas possible. Des telles relations là-bas, honnêtement, ça n'existe pas. Comme l'homme se croit trop intelligent, comme l'homme se croit trop sage, il a dit, oh, laissez-nous tranquilles, nous, on va montrer aux animaux que nous sommes trop forts. Et c'est là qu'ils ont créé de telles choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce un virus? Expliquez-moi. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait dépravation de nos mœurs. Ça, je ne pourrais jamais accepter. Nous sommes dans un pays où les us et coutumes, nos mœurs doivent être respectées. Nos ancêtres sont passés, ils ont laissé. Il n'y avait pas eu l'homosexualité. Aujourd'hui, vous voulez voter ça. Vous avez adopté. Soit ça va passer tout à l'heure ou dans quelques jours au Sénat. Je demande à tous les sénateurs, s'il vous plaît, en tant que Gabonais pur, en tant qu'Africain, mettez-vous en tête que l'homosexualité n'est pas bien, s'il vous plaît. Waouh, vous avez entendu ça? Il le demande. Aïe, 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 il le supplie. Aïe, 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 il dit, en tout cas, les frères, je vous aime bien, acceptez tout, mais mettez-vous dans la tête que ce n'est pas bien, ce que vous voulez faire, cette pratique sexuelle contre nature. Ce n'est pas bien, oh. On est un frère, on doit se dire la vérité, ce n'est pas bien, oh. Vous-même, vous le savez, mais vous faites semblant. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, aïe, aïe. Voici encore nos réactions, écoutons. Nous sommes d'abord un peuple bantou. Et nos coutumes et cultures ne permettent pas que nous puissions même parler d'homosexualité. Moi, je suis un pauvre, et chez nous, les pauvres, même quand ton frère est homosexuel, c'est, on peut dire, c'est une malchance. Waouh! Vous avez vu ça? Il dit que, honnêtement, quand même il arrive dans le pire du hasard que un de vos frères homo, honnêtement, c'est comme si c'était une malédiction qui venait s'abattre sur la famille. Je vous dis que c'est pas une chose vraiment à accepter. On ne rejette pas ce genre de personnes. On doit juste tout mettre en œuvre pour qu'ils passent dans la bonne direction. Il doit avoir une éducation pour ces personnes-là. On va dire une rééducation. Après que ces personnes-là puissent s'adapter à notre mode de vie, parce que ce n'est pas normal. Vous voyez? Nous devons toutefois les aimer, hein, les gens qui sont déjà dans ce genre de choses, les homos, on doit tous les aimer, mais nous ne pouvons pas vous soutenir dans le péché, on va dire dans le faux. C'est quelque chose, une malédiction familiale. Et en tant que guerrier pauvre de Moulobi,
J'ai dit non à l'homosexualité au Gabon et en Afrique. Déjà, c'est clair. Et il dit que ça ne doit pas juste s'arrêter au Gabon. Ça doit même aller jusqu'à toute l'Afrique. Je tiens à rappeler que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit que c'est un homme et une femme qui doivent s'accoupler pour créer ou encore pour procréer des enfants qui puissent après procréer d'autres personnes. Donc moi aujourd'hui, je dis non à cette dépénalisation de l'homosexualité dans la mesure où nous ne sommes pas en Europe où c'est permis, où c'est légal. Ici au Gabon, on a des us et coutumes, qu'on les respecte. On ne peut pas aller dans ce sens. C'est pas normal. Un pays comme le Gabon, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. Et pourquoi au Gabon on va accepter de voter une telle loi? Où va le monde? Waouh! Il dit que nous ne sommes pas en Europe ici, hein, nous sommes en Afrique, qu'est-ce qu'il n'y a pas à vous? Comment est-ce qu'on va accepter de voter une telle loi? Où va le monde? Honnêtement, ah, cet homme, il a pris de l'âge. Il a vu des choses. Il est bien placé pour nous dire les vérités. Il dit honnêtement, ça c'est quoi ça encore? Toujours des nouveautés. Aïe, aïe, aïe. Là, même, vous voulez même pousser Dieu à nous frapper ou quoi? Mais où va le monde? Mais où va le monde? Aïe, aïe, aïe. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo qui va parler de où va le monde aussi, hein, et vous dire certaines choses qui vont même vous étonner. Soyez prêts. C'est pas sérieux. Moi, je dis non. Moi, je suis pas d'accord. En tant que citoyen, en tant que Gabonais, moi, je dis non. C'est pas normal. On n'a pas besoin de ça au Gabon. On n'est pas en Europe. Il dit clairement qu'on n'a pas besoin de ça ici en Afrique. Parce qu'on n'est pas en Europe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 l'Europe, un endroit qui est censé être réservé aux gens qui sont riches, est devenu un endroit où on fait les bêtises, où encore des bêtises sont autorisées, un endroit où les bêtises sont autorisées. Maintenant, l'Afrique est censé être l'endroit le plus éprouvé dans le monde, est devenu l'endroit où les gens refusent de faire des bêtises malgré leur pauvreté, malgré leur classe sociale. Ils refusent le péché. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer cela? Les gens pensent être riche, c'est une bonne affaire. Vous ne savez pas, c'est ça. Vous ne savez pas, c'est ça. Parfois, quand on est riche et qu'on a du pouvoir, on commet de très grands péchés. Des péchés qui n'existent pas là. Nous, on va les commettre. Ou même, on va réinventer même le péché. Même le diable va te dire, ah, vous voulez la même cas. Même, vous exagérez. Vous faites plus que moi. C'est pas de la blague. Mais une chose est sûre, ils ont tous les mêmes réactions. Reprenons les bonnes choses pour construire le Gabon. Reprenons les bonnes choses. Évitons n'importe quoi ou faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Sinon, nous allons attirer la colère de l'Éternel des armées. Parce que quand Dieu frappe, il n'y a pas de limite. Voyez ce qu'il a fait à Sodome et Gomorre. Voilà. Donc, je vous en prie, que nos élus, hein, on se tracasse pour choisir les gens. Il faut qu'ils voient, qu'ils réfléchissent avant de lire une loi n'importe comment. Non, moi je dirais que c'est un faux débat. C'est un faux débat parce qu'un élu, du peuple, avant de répondre à certaines questions, il doit d'abord consulter ses électeurs. Parce que s'ils sont à l'Assemblée, ça coûte des électeurs. Ce sont les Gabonais qui vous ont voté, hein, qui ont voté ces élus. Vous êtes les représentants de la population. Mais quand vous allez voter une loi sans pour autant consulter ceux qui vous ont voté, moi je trouve que ce n'est pas normal. Le député, lorsqu'il se retrouve à l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui l'envoie à l'Assemblée nationale. Le député est là pour débattre les problèmes de son arrondissement ou de son siège. Quand il se retrouve à l'Assemblée nationale. Et il doit consulter le peuple. Il doit consulter le peuple. Il ne peut pas prendre une décision sans le peuple. Parce que le peuple est derrière lui. Mais si maintenant le député prend une décision et que le peuple n'approuve pas, c'est qu'il y aura problème.
Nous, on dit non. L'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Avant de telles lois, mais c'est de faire même un référendum, de telle sorte qu'on puisse être édifié par rapport à la Chambre. Si le référendum dit que cette loi passe, ok, elle passe. Mais tel que je connais les populations gabonaises qui respectent les us et coutumes, ça ne pourra jamais passer. Wow. Donc nous, moi particulièrement, j'ai dit non à cette dépénalisation de l'homosexualité. Point. Mes frères et sœurs, Dieu a été clair. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ou bien vous voulez que je vous fasse un décès? Il dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toi, tu ne dois pas voir un truc pareil, et puis tu vas dire que c'est une bonne affaire, si tu es normal. Hein. En tout cas, si tu es malade, si tu as un problème mental, on va dire, ok, on peut te comprendre, c'est pourquoi tu dis ça. Mais, honnêtement, aïe, 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 j'aime tout le monde. J'aime toutes les personnes qui, même, sont homosexuelles. Mais je ne peux pas vous encourager dans une chose que moi-même, je sais qu'au final, ça va vous faire du mal. Faites attention. Faites attention. Tous ceux qui sont en train de voter la loi, genre, pour légaliser tel truc-là, ce sont des gens qui veulent... En fait, ce sont des gens en général... Qu'ils appartiennent à une organisation et eux, ce qu'ils se disent là-bas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils oublient à un moment donné même que c'est le peuple qui les a votés. Mais vous leur donnez le pouvoir, c'est comme ça. Après, ils vont vous oublier, vous monter leur vrai visage. Mais nous-mêmes, chez nous, devant Dieu, soyons justes. Devant Dieu, devant les hommes. Soyons dans la vérité. N'appelons plus le mal bien et le bien mal. Mais où va le monde? Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné pour le faire, et let's go. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, un seul j'aime suffit pour m'en informer. Let's go.